Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une vidéo du coup sur Vanadia. Du coup voilà, j'avais prévu d'y aller donc je suis venu. Bon, je sais que je viens très tard, mais du coup j'ai quand même envie de vous dire on y est, malgré du coup le long moment où je devais y aller. Normalement il était prévu que j'y aille à l'ouverture, mais du coup j'ai préféré prendre mon temps tranquillement. Bref, du coup j'ai découvert plein de trucs sur Vanadia et le serveur me plaît beaucoup. Donc au final je me suis dit bon bah écoutez, je vais faire des vidéos, malgré que normalement j'avais prévu d'aller sur un serveur non modé. Mais du coup Vanadia est vraiment, je sais pas, j'ai vraiment même Vanadia, donc voilà, j'ai envie de tester donc je teste et j'espère que ça vous plaira. En tout cas faites le moi savoir, vraiment rien de plus simple que de liker la vidéo pour me le faire savoir, et aussi les commentaires si je fais des petites erreurs ou quoi, si vous pouvez m'aider là dessus bon, du coup on a une petite clé à ouvrir que je vais ouvrir de tout de suite en fait, hein. Et vu que j'ai 0 luck, bah je vais avoir voilà 500$. Je savais, 500$, c'est vraiment le truc, ouais voilà, c'est vraiment le truc le plus simple. Bon, du coup d'ailleurs j'ai choisi ma classe et du coup j'ai préféré me mettre en assassin. Voilà, très clairement il y a un kit du coup pour quand vous avez une classe, et moi bah, j'aime beaucoup ce truc. Mais du coup voilà, je suis assassin, je sais pas du tout c'est bien. Par contre je sais que le PVP est assez dégueulasse par contre sur Vanadia, pour le coup il est dégueulasse le jour, vraiment, de ce que j'ai pu tester. Ok, donc je viens d'avoir 2 platines parce qu'il y a aussi un système de quête et tout ça. J'ai regardé vite fait stage daily quest. Ok, donc faut que je finisse une daily quest. Alors vous devez changer un item au marché noir, vous devez casser 64 restones avec une pioche fortune 3, vous devez manger un gâteau de l'enfer. Donc ça c'est mort, ça c'est mort, la restone c'est possible. Bon, en soi j'ai toujours pas commencé une seule fois à miner, donc j'ai envie de vous dire avant de miner on va enchanter déjà pour savoir pour évaluer combien on a de chance, enfin notre pourcentage de chance. Vraiment on va aller enchanter 3 pioches, voilà. Slash spawn, j'espère qu'il y a un top d'enchant level 30 parce que sinon je suis mort. Honnêtement, je sais pas si je vais rejoindre une faction, si je fais une facabo, sachant que je suis pas sûr de vraiment trahir le serve. La table d'enchant niveau 24, c'est pas où. Je crois qu'il n'y a pas de table d'enchant level 30 au spawn. Du coup, c'est un peu. Bah, c'est galère pour moi vu que j'ai pas de cuir. En soit, j'ai de la monnaie, je sais pas si slash shop. Ah, ok, slash shop, il y a des trucs. Et en vrai, c'est plutôt bien foutu, moi je trouve. Pour le coup, c'est bien foutu. Il y a quelques nouveautés, je trouve ça pas mal vraiment. Alors, faudrait que j'aille voir dans les loot, du coup, le cuir, il en faudrait environ 63 vers 21 bibliothèques, donc je dirais on en achèterait 50. 50 c'est 200$, donc j'ai assez, mais j'ai pas la canne à sucre pour le moment. Canne à sucre, on peut commencer. Bon bah, on va faire ça dans l'épisode. Vraiment, le premier but là, cet item n'est pas achetable. On va galérer à faire ça. Ah, on peut même acheter les potions. Ah oui, alors ça, j'étais pas au courant. Ça pour le coup, on va acheter 50. De cuir, voilà. Et je vais aller chercher de la canne à sucre au plus vite. D'ailleurs, je tenais à m'excuser si le rythme de la vidéo a un peu changé comparé à avant où j'essayais de mettre de l'énergie et tout. J'ai un peu moins d'énergie, j'essaie de parler plus calmement, plus posé parce que c'est vraiment le style de vidéo que je fais facilement. Je suis plus quelqu'un de calme en fait de base, donc voilà. Non, bon, je vais aller chercher de la canne à sucre parce que j'en ai pas, j'ai vérifié. C'est dommage quand même. À moins qu'il y en ait déjà l'HDV, peut-être, je vais aller chercher. Alors, il y en a pas mal, vraiment, on peut s'en prendre, on peut se permettre en soi de prendre plein de cannes à sucre. On va en prendre 2 stacks, je pense. Acheter. Par contre, il va nous falloir du bois, je suis en train de me dire. On va faire des livres déjà. On peut faire 21 livres, donc on va faire, ouais, on peut faire 7 bibliothèques en soi. Non, en vrai, on va planter 32 cannes à sucre quand même, ça va être déjà ça. Hop. Je vais aller chercher de l'opsy, tout ça, du coup, je reprends juste après. Bon, les gars, je suis tombé sur un nouveau minerai d'ailleurs, pendant que j'ai agrandi tranquillement ma base. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit pas être un truc très très important vu la couche où je suis en fait. Mais je préfère quand même attendre le fortune du coup. Bon, d'ailleurs, je viens d'agrandir un HUD parce qu'il était assez petit de ce que j'ai pu remarquer. Bon, du coup, les gars, j'ai testé un peu le PVP. J'ai gagné pas. En fait, j'ai gagné tous mes fights, sauf un, mais il y avait pas de pari. Et du coup, après, j'ai fait des paris. Genre, j'ai parié 1000$, 300, 300, et j'ai gagné tout à chaque fois. Du coup, je suis remonté à 1000$. Le serveur a des gros freeze, hein. Vraiment, par contre, vous allez voir, je vous mettrai les règles de façon à la fin. Le serveur a freeze H24. Et moi, Mati, Vanadia, vraiment, le PVP est clean. Alors, mec, bah vraiment, celui qui m'a dit ça, vraiment, mec, je sais pas si t'appelles un PVP clean, mec, mais là, c'est. Non. Non, bref, du coup, j'ai aussi crafté la table d'enchant, vous allez le voir, hein, du coup. Slash FOM, non, slash FOM, oui. Voilà, du coup, j'ai crafté la table d'enchant. Alors, j'ai aussi trouvé de l'huile, voilà, je sais pas trop à quoi ça sert encore. J'essaie de me faire recruter dans une fac, sauf que du coup, ils m'ont dit que j'avais pas de stuff. Bah, très clairement, bah, c'est pas grave en fait. Genre, moi, je vais pouvoir farm tranquillement, j'aurais pas de soucis, mec. Vraiment, je vais rester dans une fac solo, je pense. Ou alors, vraiment, je sais pas, ça dépend quelle faction me propose de rejoindre. Si déjà il y a une faction qui me propose de rejoindre, parce que je suis pas si ouf en PVP, donc ça m'étonnerait très clairement. Mais de toute façon, il y aura les recs à la fin. J'aime très peu le PVP sur Vanadia, hein, vraiment. Vraiment, le PVP sur Vanadia, il est freeze, c'est infâme. Vraiment, en fait, on dirait Palladium. Genre, littéralement, c'est Palladium quoi. Yeah, donc là, je suis dans une table de craft alors que je suis là quoi. La table de craft est là, bah logique. Logique, j'ai envie de te dire, mec. Du coup, on a 10 bibliothèques, je crois qu'il en faut plus, oui, même c'est sûr qu'il en faut plus. Je sais pas, on va placer le truc. Où est-ce qu'on va passer la table d'enchant? On peut la placer ici en soi. Ou alors on peut creuser, ouais, on va creuser un truc, un petit truc tranquille. Ok, voilà. On va creuser ici, voilà, tranquillement. On va poser les bibliothèques ici, je vais commencer à entourer la table d'enchant déjà,
J'ai mis skill que je bloque, c'est pas grave, écoutez. Bon, en soi, s'il y a une faction qui me recrute, soit oui, je suis open au recrutement du coup. Niveau combien c'est là? Niveau 23, ok. Quoi, niveau 23, mais c'est possible. Non, ah oui, non, c'est vrai, je suis plus habitué aux enchanteurs princettes. Ça, ça frise encore, non, c'est pas possible. Bon, du coup, je pense, je vais pas rester très longtemps, hein, vraiment, avec les lags, c'est infâme. Vraiment, je pense que vous comprenez à quel point. Enfin, vous voyez vous-même en fait, genre, c'est vraiment infâme pour moi. Du coup, on va récupérer la canne à sucre. Ensuite, on va pouvoir faire tranquillement des petits livres en plus. Voilà, on a 3 bibliothèques en plus. Il me faudrait plus de bois. 3 bibliothèques, du coup. Est-ce qu'on atteint. Oui, normalement, on atteint le level 30. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est du jade. Ouais, voilà. Je sais pas si j'aurais dû le récupérer à la fortune, mais bon. Hop, voilà. Je vais mettre ça là, comme ça. Et on va en poser une en plus ici. Voilà, ça fait pas stylé, mais bon. Niveau 26? Ok. Bon, bah, il me manque encore 2 bibliothèques. Voilà, je viens d'acheter la blinde de bois. Il me reste encore 2300 de monnaie. 2300 de monnaie, on a de quoi faire quand même quelques trucs. Yes, c'est encore freeze, bon bah... Voilà, donc en soi, tac, voilà, ça c'est pas bougé, on peut faire ça, ça, on a 6 livres, on a enfin un table d'enchant, on va pouvoir enchanter. Déjà, l'objectif de la vidéo a été complété, voilà, l'enchant que je voulais absolument faire aujourd'hui, parce que c'est la base quand même d'un PvP fac, c'est l'enchant, vraiment. Là, on va pouvoir rush directement du P4, du coup, on va faire ça comme ça, et comme ça, voilà. Non, merde, ça c'est mauvais bloc, ça. Ça c'est con, voilà. Du coup, première pioche, il y a skill touch, ok. Il y a fortune 2, ok. Il me faut fortune 3, ok. Il y a moyen qu'on fusionne les deux, ça fait Nifi 5. Est-ce qu'on a. Oh non, on a pas d'enclume, mais j'ai pas de fer. Allez, super, super les gars, super la team. On va aller chercher du fer du coup. On va utiliser cette pioche là, voilà, elle minera plus vite. Oui, c'est bon, j'ai pas oublié l'eau. Je me suis dit, si j'oublie l'eau, je suis mort. Là, je suis mort si j'oublie l'eau. Il y a du diamant ici, ok, bon, vous savez quoi, ok, c'est encore freeze. Je prends le diamant, je vais prendre un peu tout. Vraiment, je vais prendre un peu tout. Je sais pas si miner sur le serveur minage est plus rentable que le faction. Bah voilà, là je suis retombé sur de l'huile, on va le prendre. Hop, voilà. En minant, ok, bon. On va prendre de quoi faire notre quête du jour, d'ailleurs, vu qu'on a une skill touch. Hop, comme ça méritera de redescendre. On va continuer de prendre du fer pour faire une enclume. Il y a peut-être des enclumes au spawn, mais je sais pas, j'ai la flemme d'aller voir. D'ailleurs, on va enfin pouvoir savoir ce que c'est ce minerai. C'est du liquide. C'est nul. C'est éclaté. Ah non, il y a le psy juste avant. Ok, bon. Mais ça reste éclaté, quoi. Je vais pas aller PVP avec ça. Non, je crois que le PVP se joue que au platine, vraiment. Le Vanna, je vois des gens qui PVP à mort avec. Je vois des full stuff au spawn. Je me dis, bon, ça c'est pas moi qui l'ai miné, par contre. Ça peut être problématique. Mais en bref, je pense vraiment que le Vanna est très simple à avoir. Je suis pas sûr après de ce que je dis. Qui te bouffe? Je me suis dit, j'ai pas de bouffe, j'ai crevé. Non, c'est bon. C'est encore freeze. Bon, j'ai rien à faire pendant que je mine, donc je regarde le chat souvent. Je m'amuse à constater les gens qui se provoquent. Bref. Et du coup, il y a un mec qui a dit, c'est la première fois que ça arrive, ça bug comme ça. Donc, je vais partir optimiste. Je vais me dire, oui, c'est la première fois. D'ailleurs, je viens d'avoir du platine, ok. Je vais me dire, oui, c'est la première fois. Et j'espère que ça va pas recommencer du coup. Surtout pendant que je règle, quoi. C'est quand même dommage, hein, vraiment. Ok, donc on peut faire cuire directement comme ça, genre ici. Voilà. What? Mais. C'est pareil, faut faire cuire comme ça. Faut les mettre un à un, c'est ça? C'est ça l'histoire? C'est que c'est long. Non mais. Non mais. C'est à moitié bugué là. Non mais. Non mais vraiment, vous voulez que je dise quoi là? Mais en fait, ils disent d'utiliser un combustible, sauf que j'en ai pas utilisé et ça a fonctionné. C'est pas logique, les gars. C'est pas logique. Vous le savez? Non mais en plus, ça frise à mort. Je suis en train de dupliquer là en fait. Non mais c'est littéralement en train de dupliquer, j'arrive pas. C'est en train de dupliquer. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste le serve qui lag de fou en fait. Non mais par contre, non mais ça va être long. Ça va être long à faire ça. Hein. D'accord les gars, donc on en est vraiment là. Il faut que je fasse ça. Ah non. Non, mais les gars, mais non, mais. Là c'est pas. Non, c'est pas. Ah c'est bon. Le fer est là, c'est bon. Je me disais putain, c'est bon, j'ai perdu tout mon fer en 4 secondes, quoi. Bon, je vais devoir farmer pas mal de niveaux, du coup, comme vous pouvez le voir. Je vais farmer ça rapidement, j'espère. Parce que sinon, c'est la merde, quoi. Ouais, du coup, je reprends après. Ok, c'est bon, les gars, du coup, slash réserve, j'ai farmé tranquillement. Du coup, on a 48 levels. Donc, on va enfin pouvoir fusionner les deux pioches qui sont juste ici, celle-ci et celle-ci, voilà. Et du coup, hop, on a notre FI5 Fortune 3. On peut, du coup, faire cette quête. Et ensuite, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. D'ailleurs, je vais m'équiper en stuff au moins. Hop, voilà, même si c'est pas ouf. Juste, on va vérifier que la quête fonctionne si je fais ça. D'ailleurs, je viens de gâcher un peu d'XP, tant pis. Slash quest, du coup. Oui, ça fonctionne, du coup. Ok, bon, bah c'est parti, du coup, je vous fais ça en accéléré. Enfin, je vous reprends juste après, quoi. Bon, du coup, normalement, c'est fini. Bant, j'attends de voir, il y a un boss. Bon, on va pas le faire parce que c'est... Non, très clairement, je sens que c'est la mort. Oh putain, mais non, mais j'étais censé avoir fini. Bon, on remine ça, du coup. Et cette fois-ci, voilà.
What? J'ai gagné 1000 XP du coup pour ma classe, c'est bien ça? Oui, pour chacune de vos classes, sauf que j'en ai qu'une seule du coup. Il me reste une quête journalière pour avoir un kit aléatoire. Et du coup, j'ai gagné quoi d'ailleurs dans cette quête au final? Slash quest reward je crois. Ouais, slash quest reward, j'ai gagné quoi? Vous n'avez aucune récompense, pardon? Ok, tant pis. Bah du coup, j'imagine que c'est les 1000 d'XP pour chaque classe. Du coup, par contre, on peut retourner au spawn aller voir le mec qui donne les quêtes principales. Eh mais en fait, j'avais fini une quête déjà. Vous devez manger un gâteau de l'enfer, je l'ai fini cette quête. Oui, pendant les duels du coup. Ok, bon bah, du coup, hop. Alors, ouais mon pote, mais prochaine fois, faudra me prévenir si c'était un kit comme ça. Bon bah du coup, kit alchimiste, ok, on se met grave bien. Et la prochaine, c'est slash info. Ok, on va déjà poser notre kit alchimiste. Par contre, pour le PVP, ça va être très très bien. Bon du coup, on va faire le slash info, voilà. Waouh, super, bah ça va faire ma description en gros. Non, d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, je vous remercie encore d'être à ce moment précis de la vidéo. Et du coup, on a récupéré un key 3. Ok, donc il y a du platine, on se met bien. On a une pioche, bon du coup, elle sert à rien maintenant, mais bon. Alors, cette commande là, je sais pas pourquoi, je la sens pas. Mais on va le faire parce qu'on est des gros cons, bien sûr. Attends, c'est comment exactement? J'ai du mal à écrire. Ok, oui, j'ai mal écrit. Ok, donc je sais pas ce que c'est. Mais débloquer le titre apprenti chercheur, du coup, c'est une message du commencement. Nanana. Quête secrète pour toi. Ok, donc faut fouiller maison spawn pour trouver un indice pour connaître l'avancée de la quête. Fait slash Easter. Ok, on retient ça. Et on va essayer d'avancer au fur et à mesure des épisodes. Bah, d'ailleurs, on va récupérer du coup. Non, déjà, on va changer de stuff. Vu qu'il y a quand même du platine, donc on va le mettre dans le C. Vu que j'ai vraiment zéro platine. Et un casque et bottes, ça peut toujours servir, je vous assure. Sachant que les bottes en jade ont 3700 d'ura, je me dis, ok, bon, ça sert. On va pouvoir du coup. Ah oui, il faut lui reparler. Putain, mais ça freeze. Ok, bon, du coup, on va pouvoir poser le platine ici. Et on va pouvoir aussi récupérer du coup. 28 levels, ok, d'accord. Donc carrément 28 levels, ok, parfait, merci. Créer une faction, c'est déjà fait. Bah du coup, si je fais slash quest, c'est déjà fait. Du coup, bon, ça freeze. Ah, c'est chiant. Ouais, du coup, c'est déjà fait. Donc on a juste à cliquer droit sur lui. Ah, c'est bon, j'ai quand même mon XP. Des donuts, ok, parfait. Non, en fait, on se met super bien, en fait. Là, il va me demander quoi? Fait slash F help. Bah, je connais déjà les commandes faction. Donc, clic droit. Mais c'est génial, en fait. Il est génial. Pardon, une potion de no jump. Ah oui, non mais là on est sur un level Ok, bon, le reste des quêtes on les fera plus tard du coup. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Ashblade. A plus le peuple.